présenté par Laurent Lennon. Les news présentées par Robert de la Fistinière. La vérité seulement sur Bob FM TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, divertissement, Justin de la Fistinière, ce nouveau comique sur la pente montante, a fait fureur hier soir au club de nuit le Macumba Night lors de ses débuts en salle avec son spectacle Mon Combat, notre reportage sur celui qu'on appelle déjà le Goebbels de l'humour. Oh, c'est dégueulasse! Oh mon dieu, voilà! Il n'a pas fait des ravages en salle, il a fait fureur, comme on dit dans le métier. Ah putain! Humouriste ou zémouriste? Oh la vache, c'est horrible! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Headliner, éditeur Novi News! La vérité, seulement ici, avec Robert de la Fistinière. Et on s'y plonge! C'est parti! Ah oh, putain! Ah oh, putain! Ça me fait rire. De la Fistinière! Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Les choses partent en sucette, Tonovistan. Les gens demandent des réponses. Et j'ai la sensation que quelque chose de gros va arriver. Est-ce que t'as vu le dialogue de Wolf, enfin le discours de Wolf la nuit dernière? Les officiels gouvernementaux gardent un œil sur nous et ils adorent nos reportages. Il va peut-être y avoir des bonus substantiels qui vont venir dans nos payes. Alors continue. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé notre chaîne hier et... qu'est-ce que c'est que c'était cet article sur ce spectacle de comique? On ne publie pas d'articles communautaires ici. Seulement des articles approuvés par notre équipe. Novi News a des standards et il faut qu'on les respecte. C'est la deuxième fois qu'il a fallu que je te prévienne. Je diminue ta paye. J'espère que tu feras pas encore cette erreur. Ton paiement ajusté est de 16 Novi Bucks. Aujourd'hui, tu dois approuver entre 1 et 2 articles. Fais ce qu'il est bon de faire, éditeur. Bonne journée. Oh la vache, merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, voyons voir. Entre 1 et 2 articles, pas plus. Et j'imagine que les articles liés, ils comptent pas, hein, toujours. Hein. Donc, voyons voir. Est-ce que le Novistan boit trop? Selon les statistiques, dernières statistiques, l'introduction des alcools récréationnels synthétiques ont vu une augmentation dans les ventes de 38%. Il faut agir avant que ça parte en sucette, c'est vrai. Donc ça, c'est de droite. Merci d'avoir augmenté la pression publique. La maison, l'asile psychiatrique a été sauvée par un fonds d'urgence du gouvernement. Excellent. Excellente nouvelle, ça. Donc ça, c'est positif. Les checkpoints de la police violent les droits civils. Beaucoup de citoyens ont été sans doute arrêtés pour des fouilles aléatoires et pour du questionnement. Alors que le Novistan devient de plus en plus un état policier, nous devons arrêter ceci avant que ça ne parte en sucette. Merci pour ta contribution, Evelyne. Alors ensuite. Vous pensez que vous êtes en sécurité de la surveillance depuis chez vous ? Samantha B se changeait dans son pyjama comme tous les soirs lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une caméra de sécurité était pointée directement vers elle à travers la vitre. « Oh mon Dieu !» nous a-t-elle dit en larmes. « Est-ce qu'ils m'ont regardé depuis tout ce temps ?» Non mais évidemment que la CIA sait exactement sur quoi tu te masturbes. Mais la vraie astuce, mon gars, plutôt que de s'inquiéter sur quoi tu te masturbes et que la CIA te regarde, il faut que tout le monde le fasse. Et au final, la CIA, c'est sur quoi tout le monde se masturbe. Mais ça leur fait... Il y a tellement de flots de données qu'ils peuvent pas gérer, en fait. Si tout le monde le fait, personne le fait, en fait. C'est ça, le gars. Donc, panique pas. Panique pas. Alors, du coup... est-ce que ça, vous êtes sûr, ça compte pas? Parce que ça, c'est ce qu'il disait l'autre jour. Mais est-ce que ça compte pour aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien approuver les trois, en fait. Alors bon, Evin et Rudolf, hein, j'ai pas lu les articles, mais spoiler. Wolf qui menace le Léaris.
Sur son post sur Twitter, le Premier ministre Wolf a dit « Si le Léaris n'autorise pas les inspecteurs à entrer dans leurs entreprises de modification, nous devrons les escorter à l'intérieur. » Oh là là ! Oh là là ! Ah, des escortes armées ! Premier ministre Wolf a posté sur Twitter « Si Léaris n'autorise pas... » Pourquoi il ne le laisserait pas entrer ? Qu'est-ce que le Léaris pourrait être en train de cacher ? Bah, parfait, ça. Très bien, ça. Excellent, ça. C'est bon, ça. Ok. Est-ce que Novistan boit trop ? Oui. Voilà. L'asile de Novistan sauvé ? Oui. Parfait. Ouh ! Bonne journée aujourd'hui. Ça va bien se passer. Ah. La rue est surprenamment propre aujourd'hui. Bonjour. Des gens qui dégueulent encore à l'infini, mais décidément... C'était beaucoup de drones, ça, d'un coup. Ah. Salut, Robert. Ah, comme si c'était pas suffisant que le boss m'engueule hier. Les gens dans la rue me hurlent et me demandent de rentrer de là où je viens. Tu pourrais être une terroriste pour tout ce qu'on en sait. Tu ne peux pas gérer... Tu ne peux pas résoudre l'ignorance en un soir. Désolé que tu doives gérer ça. Et est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir pour toutes ces interventions étrangères ? Il faut qu'on pense au sexe, hein. Je suis désolé que tu aies à subir ce racisme à cause de ta couleur de peau. Tu es désolé pour quoi ? Le racisme ou... La couleur de peau. Ouais. J'aurais bien voulu que tu ne mettes pas en avant tous ces articles anti-étrangers, mais... Enfin, on va profiter du temps qu'on passe ensemble et voir ce qui se passe. Des Léarisiennes sexy près de chez vous. Les temps changent. Avec de plus en plus de blabla sur les pilules génétiques, c'est plus facile d'avoir ma nouvelle prescription. D'habitude, il y avait des gens qui venaient me voir et me disaient que j'avais pas besoin d'aide. Mais au moins, j'ai plus à être jugé maintenant que j'ai ces médicaments. Et je peux à peine acheter ma nouvelle dose avec la paix qui a été encore divisée. Enfin bon, comment tu vas, toi ? Tout va très bien! Ah, super! Content de voir que tu as toujours la tête haute après toutes ces conneries. Même les drones ont l'air d'être fous aujourd'hui. Peut-être un entraînement militaire ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, il faut que j'y aille. Merci de t'être arrêté, Robert. Ça me fait toujours me sentir mieux de parler avec toi. Et merci pour l'invitation au spectacle de ton frère l'autre nuit. J'imagine qu'il a plein d'attention, déjà. Bon, à la voyure, Robert. Très bien. Pas mal, pas mal. Hein. On est bien. On avance, hein, on avance. Scan, scan. Mais scan et moi ? Regardez, c'est du Gucci. Ah, 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 ah. Scan positif, analyse, rire de droite. Autorisation, merci pour votre temps citoyen et d'avoir choisi CyberLife Enterprise. Mais de rien. Hé hey Robert, le spectacle était génial. Il y a eu plein de gens et ils ont adoré mes vannes. La pub que t'as postée a sans doute attiré la foule. Merci de m'avoir toujours soutenu et de m'encourager. Je suis tellement content que les gens aient aimé mon spectacle. Que veux-tu ? C'était ton combat, frangin. Ouais, mon combat. J'en ai parlé à ma thérapeute. À mon thérapeute. Et il était content que j'ose enfin affronter mes peurs. Maintenant, il faut que je travaille sur mes pensées négatives automatiques. Quoi qu'il en soit, je suis content de pas avoir cédé sous la pression. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut que j'y réfléchisse. On se voit plus tard, ok ? Santé ! Police... Un gars de province a juste demandé un emploi, il veut seulement 10 Novibucks à l'heure. Mais quoi ? Mais c'est seulement la moitié de ce que tu fais ! Oulala. Oulala, oulala, oulala. Globalisation, terrorisme, frontières ouvertes. Trois synonymes que notre État et notre glorieux Novistan ne peut se permettre d'ignorer plus longtemps.
Ils nous ruineront tous. Ah ouais. Content de savoir qu'ils gardent les fous à l'asile. T'imagines s'ils les avaient laissés aller dans la rue comme ça? Bonsoir, éditeur. Nous avons suivi passionnément votre chaîne. Votre optimisme pour les inventions de... les nouvelles inventions sur la santé, la démonisation des substances synthétiques et l'augmentation de la police. Hé, hey, il faut que je sois non biaisé! Vraiment, éditeur, aucun motif personnel dans vos décisions. Souvenez-vous, même un mensonge, répété suffisamment longtemps, devient la vérité. Quoi qu'il en soit, il est temps que vous compreniez ce qui arrive. Demain, dans le sous-sol du restaurant, en face de votre bâtiment, tout sera révélé. J'y serai! C'est ce que nous espérons. N'en parlez à personne. Et nous vous promettons de vous donner toutes les informations. À demain, éditeur. Dieu merci, la police nettoie enfin notre ville! Ouais, tous ces clodos me faisaient peur. Excellent! Salut, éditeur! Alors, qu'est-ce qui se passe avec tous ces drones? Ils sont en train de partir en sucette ou bien? Ah, probablement des essais militaires. J'espère que c'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, comment ça se passe? Mon patron est un connard. Ouais, je sais comment c'est. J'ai eu pas mal de mauvais patrons. Parfois, c'est dur de faire face aux expectations. Meilleur conseil, c'est de ne pas trop y penser. Fais confiance à ton instinct et sois toi-même. Et si t'as besoin de te reposer du boulot et de la vie, tiens, ce jeu Happy Pigs, c'est la tuerie. Aucune idée comment ils font ces trucs pour les rendre aussi addictifs, mais... Allez, encore un petit verre de terre. Avant que tu réalises, 2 heures sont écoulées. Ça a jamais été aussi facile de se relaxer sans ce dinabaï. Ah, tu disais quelque chose, chaton? Très bien. Au passage, tu veux peut-être acheter des trucs? Quelque chose te plairait? Des batteries pour drone. Et je vais garder mon argent. Voilà. Et le chien, il aura à manger demain. Voilà. On alterne. Rentrez chez vous, citoyens! Les news! Un attentat terroriste créé par cette nouvelle religion issue de l'internet, le slam internet, ou plus exactement, le islam avec un E, comme l'aime à prétendre ces gens qui se seraient suicidés en utilisant des avions miniaturisés. Une invention inventée leur aurait permis de prendre le contrôle des drones des enfants et de les jeter dans les bâtiments les plus proches. Un acte terroriste absolument pas lié avec notre gouvernement, les activités militaires ou toute chose absolument suspecte qui pourrait être liée à des gains personnels liés à notre Premier ministre. C'était les news et la seule vérité sur Novi News. Oh la vache. C'était gratuit, hein. C'était obligé. Hein. Mais en même temps, d'où Jésus, quoi. Les news. Jamais deux sans 111 septembre. Ici, à Novi News. Et les gens paniquent. Moi, je suis juste content que ce soit pas arrivé à mon bâtiment, si tu veux. Jamais deux sans 11 septembre. Allons-y. Ouais, on va. Aujourd'hui, je me sens... resplendissant ! Demain sera la journée de boulot la plus facile de l'univers.
Apparemment, l'asile de fous a été sauvé. Imaginez si on les laissait juste dans la rue. Ha ! Est-ce que c'est pas suffisant qu'il m'ait laissé sortir moi déjà ? En d'autres termes... Presque, Robert. T'y es presque. Des drones ? Dans mes bâtiments ? Eh ben, jamais de la vie. Je suppose que je devrais rentrer à la maison maintenant. Blablabla, bref. Mais moi, je regarde ce panneau, en fait. Cet été, avec Robert De Niro, Tom Hanks, Sylvester Stallone et Vin Diesel, l'homme léarisien. Cette affiche, l'homme réalisien, Sylvester Stallone dans... Putain, mais d'où Jésus, il est où mon drone? Seigneur et maître Robert le troisième, j'ai capturé 23 exceptions non gérées. Êtes-vous fier de moi? J'aurais souhaité qu'il y en ait 24! Vos paroles me blessent, Seigneur Maître Robert de la Fistinière, le Très Saint, le Troisième. Je créerai plus d'exceptions à l'avenir. Très bien. Je suis encore en train de faire un schéma mental de votre psyché. À quoi ça sert? Pour mieux vous servir, je vous montrerai des notifications pop-up quand l'algorithme de la machine sera prêt. Merci d'avoir choisi CyberLife Enterprise, blip blip bloop. Mes niveaux d'énergie sont critiques. Il me faut des batteries. Voilà. Nom nom nom. Si je pouvais ressentir de la gratitude, je la ressentirais. Seigneur et maître Robert de la très sainte Fistinière le troisième. Il a quand même capturé 24 Pokémon. Hein. Enfin, 23 Pokémon. Donc j'avoue, il déconne zéro. Hein. On me dit sur le chat, et tu connais Starmax? En salle, en cinéma, l'aventure intergalactique entre les dangereux terroristes rebelles et les sacro-saints guerriers de l'Empire, Starmax. Starmax. Ah putain. Avec Adolf Schwarzenegger. Oh la vache. Oh la vache, ok. Bonsoir, monsieur de la Fistinière. Votre paiement ajusté de 16 bucks. Pas de quota aujourd'hui. Approuve autant que tu veux. Oh putain. Ok, beau son. Excellent. Alors, à monsieur de la Fistinière. Votre chaîne devrait être obligatoire pour tous les novistanais. Vous aider à montrer la menace léarisienne et c'est essentiel. Nous sommes en guerre contre la terreur et le combat, le champ de bataille, c'est l'esprit des gens. Continuez le travail, éditeur. Ensemble, nous ferons en sorte que le novistan soit à nouveau grand. Mga. C'est pas Maga, c'est Mga. Munga Bunga. Diffuse ça. Ok. Alors, les merveilles de la technologie. À l'époque, un checkpoint voulait dire que tu montrais tous tes passeports et tes visas, alors que les gardes vérifiaient et revérifiaient toute ta paperasse. Aujourd'hui, les petits drones scannent les puces infrarouges en un seul instant. Comme mes parents le disent, vous avez la vie facile de nos jours. C'est bon, ça. Novistan attaqué. Ah, Rudolf! Des drones piratés partout sur le Novistan se sont écrasés dans plein de buildings résidentiels la nuit dernière. Une attaque coordonnée terroriste qui aurait pu être empêchée avec assez d'argent pour la sécurité nationale. Le Premier ministre Wolf avait raison. Nous ne pouvons plus ignorer la menace étrangère. Je garantis ça.
innovez et ne régulez pas les médicaments. Avec le plan national de soins fermement en place, nous avons maintenant un filet de sécurité pour nos citoyens. Laisser le marché réguler ses prix fera de la compétition et de l'innovation. Donc ça, c'est libéral, hein. C'est de la droite économique, ça, hein. Attention, hein. C'est ultra... En plus, c'est les médicaments, hein. Donc c'est pas forcément... Parce qu'en fait, oui, tout le monde aura accès à des médocs du coup, mais ce sera de la basse cam, en fait. Parce qu'il y aura pas de limite. Il y aura pas de vérification. Mais c'est bon, ça. Parfait, ça. Excellent, ça. Ça correspond à notre ligne éditoriale. Ça, malheureusement, je suis désolé, Premier ministre Wolf. Voilà. Très bien. Les merveilles de la technologie. Alors ça, attends. Malheureusement, ça, c'est un truc de la sécurité. Mais ça fait la pub en positive des drones. Le problème des drones, c'est que là, on a eu un attentat terroriste sur les drones. Donc en fait, Eric Katz, c'est un très bon article, mais c'est pas le moment. Voilà. C'est pas le moment. Better Buzz, qui est lié aux opiacés. Alors qu'ils sont chimiquement très différents, Better Buzz déclenche des réponses similaires que de prendre des opiacés, comme une augmentation du taux cardiaque et une agitation physique. La recherche à l'université d'Oxford nous dit de faire gaffe à propos de cette substance synthétique, nouvelle substance synthétique. Et en face, Better Buzz, c'est moins addictif que la clope. Dans un test clinique de 14 jours à l'Institut de la Sécurité Publique du Novistan, les participants, en essayant de boire la nouvelle boisson alcoolisée, ont eu beaucoup plus de facilité à l'abandonner que ceux qui avaient commencé à fumer. Sans surprise, les deux ont plus de mal à se contrôler que les gens sobres. Non mais, connard. Très bien. Novistan attaqué. Garantie. On est bien. 14 jours, pardon. Mais on est bien. Et seulement 14 jours de test, hein. 14 jours de test, je m'excuse, mais voilà, quoi. C'est pas... Enfin. Mais du coup, voilà, les miracles de la technologie, ça promote les drones. Et a priori, j'aurais été pour. C'est juste que là, non, c'est une erreur, si tu veux. Pas maintenant. C'est pas vraiment la bonne idée. Oh my god, what the fuck? Eh bien. Frappez les terroristes. Réveillez-vous! Ah! Des insultes racisées, des menaces. Des remarques menaçantes. Est-ce que t'as vu une arme? Oh, pardon, excuse-moi. Des menaces racisées, des insultes menaçantes, et avez-vous vu une arme? Non, je ne crois pas, mais on m'a jeté une bouteille. Ah, ça compte comme un assaut de classe B, madame. Je suis désolé que vous ayez à subir ça. Merci d'être venu si vite. Bien sûr, madame, c'est notre travail. En espérant que vous vous sentiez mieux, citoyenne. Est-ce que j'arrive pas à le croire? Un connard m'a attaqué pour oser envahir son magnifique pays. Putain, le Novistan, ça part en sucette. Désolé, je veux pas en parler. Ah, avec toutes les attentes à l'hôpital, j'ai même pas eu mes rendez-vous à temps. Et j'ai raté quelques-uns de mes médicaments. J'ai fait des calculs et je pourrais vraiment pas acheter les médicaments dont j'aurais besoin à cause de la paye qui a été coupée. Les prix vont peut-être baisser. On l'espère. Quoi qu'il en soit, le Novistan est en train de devenir fou. Cet incident de drone la nuit dernière. J'arrive pas à croire que les gens essayent de mettre ça sur le dos des terroristes et des étrangers à nouveau. Ha, on est vraiment des beaux boucs émissaires, hein. Content qu'ils aient sauvé la maison, l'asile de fous, au moins. Enfin, l'asile psychiatrique, au moins. La plupart d'entre eux ont été sévèrement affligés par des maladies mentales. Aucun moyen qu'ils aient survécu dans la rue. Oh, j'arrive même plus à comprendre ce qui se passe avec ce pays. Moi, j'apprécie le spectacle. C'est la vie. Ça arrive, un jour après l'autre. Peut-être que t'as raison. Quoi qu'il en soit, il faudrait que j'y aille. Mais j'aimerais bien te parler un peu plus demain. Peut-être qu'on peut aller prendre un café, le même endroit que la dernière fois. J'attendrai ça avec impatience. A plus tard, Robert.
Les news ce soir sur Novistan Bob FM TV. Les mariages blancs ou les mariages arrangés sont-ils vraiment blancs lorsqu'ils impliquent une personne marron pour leur donner des papiers de novistané légaux? La pauvre enfant! La pauvre enfant! La pauvre enfant! Mais bon, quelque part, un petit mariage blanc... Pour lui donner sa carte du parti, si tu veux. C'est horrible. Ah oui! Ah oui, c'est vrai! Monsieur de la Fistinière, éditeur, vous êtes venu. Il est temps... Monsieur de la Fistinière, votre coopération est appréciée. Les médias sont une force très puissante en ces temps troublés. C'est un moyen d'informer le peuple ou de leur mentir. Et de quel côté êtes-vous ? Du côté de la vérité, éditeur. Toujours la vérité. Mais bien sûr, vous avez le droit de ne pas nous faire confiance, éditeur de la Fistinière. Aucune importance. La vérité n'importe pas. N'importe que peu. Seulement seulement ce en quoi le peuple croit. Dans l'ordre des choses, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon, maniez-vous, j'ai un film à aller voir. Vos paroles semblent justes. Effectivement, sans aucun doute. C'est pour cela que nous vous avons approché. Il y a un nouvel agent génétique répandu qui ne se lie qu'à l'ADN humain modifié. Nous avons la suspicion que l'agent est distribué à travers Better Buzz. Elle modifie les protéines externes en causant les cellules à être perçues comme des microbes étrangers. Le résultat est simple. Le corps saute au combat et détruit son propre ADN. En créant une dégénérescence rapide, et créant la maladie de rejet de modification. Vous avez dit que c'était fait par l'homme. Bien sûr. L'agent a délibérément désigné le produit pour ne cibler que l'ADN modifié. Pour ne viser que les modifications léarisiennes, pour être exact. Notre propre gouvernement a créé cet agent pour discréditer les Harris et répandre la peur. Pas encore convaincu. Vous avez tous les droits d'être sceptique. Nous l'étions aussi pendant des mois. La peur est une excuse très puissante, même pour le comportement le moins éthique. Et vos propres news et infos ont aidé le gouvernement à asseoir leur pouvoir. Nous devons révéler ce que l'administration Wolf a créé dans ce pays. Demain, un article dira toute la vérité. C'est tout ce dont nous avons besoin pour retourner la situation. J'ai toujours mes doutes. Nous ne pouvons qu'espérer que vous fassiez la bonne décision, éditeur. Peut-être que vous avez vu des gens blessés sous le régime autoritaire. Leur vie aussi est en jeu. Tout est entre vos mains, éditeur. Contrôlez les infos, contrôlez la vérité. Le peuple de Novistan compte sur vous. Eh bien, intéressant. Intéressant. Halte! Papier, s'il vous plaît. Ah. Vous vivez juste en bas de la rue, hein. Citoyen novistanais... Très bien, continuez, citoyen. Merci. Wolf nous sauvera. Ouais, il fera en sorte que le Novistan soit à nouveau fantastique. Gars,
Munga ! Munga ! Munga ! Munga ! Ça sonne moins bien, on aurait pu trouver un truc genre Muga ou Mega ? Ah ! Hé hey, frangin ! Je réfléchissais à propos du spectacle et... Ah, oh, ça se passe tellement bien ! Et parler à mon thérapeute... mon thérapeute a fait un monde de différence. Il m'a montré comment reconnaître les schémas de pensée négative et les contrer avec de l'affirmation positive. Je veux dire, c'est bizarre, c'est comme si tu faisais de la propagande à ton propre cerveau. Mais peut-être c'est exactement comme ça que j'ai commencé à être aussi négatif en premier lieu. Mon thérapeute m'a aussi demandé de prendre des pilules contre l'anxiété. Du Moodex, je crois. Dans tes news, ça dit qu'elles ont l'air prometteuses. J'allais en récupérer si elles sont moins chères, bien sûr. Il n'y a aucune honte à prendre ce dont tu as besoin. Ah oui ? Je sais pas, plus j'y pense et plus je me demande si mes problèmes ont pas été déclenchés par la peste. Je veux dire, par l'épidémie. Il y avait cet article qui parlait des mutations qui étaient synthétiques et pas biologiques. Et si notre gouvernement avait quelque chose à voir dedans ? Oh, et au fait, tu devineras jamais. Quelqu'un de Galmedia m'a appelé aujourd'hui. Ils ont entendu parler de mon spectacle et ils étaient impressionnés par l'audience. Apparemment, je suis à la devanture de toutes les news. Ils veulent me demander de faire ça pour le festival en Galaxia. Je devrais te laisser y aller. A plus, Robert. Très bien, ça. Le festival en Galaxia, voilà un truc qui va très bien se passer. Je suis sûr que les Léarisiens foutront pas la merde. Ok. Ah, le Novistan n'est pas safe. D'accord. Ça te panique fort quand même, ça panique fort. Nous devons reconnaître le bon travail de nos amis à Novi News. Dans deux jours, je ferai une apparence publique. Une apparition publique. Et ensemble, nous combattrons la menace léarisienne. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps d'agir. Salut, éditeur. Doux Jésus, cet incident avec les drones la nuit dernière était terrifiant. J'ai vu des foules en colère, mais... les gens sont enfin en train de se réveiller à la menace que représentent les étrangers. Oh, t'as dit quelque chose, Poussin. Elle est beaucoup plus silencieuse depuis qu'elle a pris ses médicaments. Elle a même pas pris son drone. Mais les profs disent qu'elle se comporte vachement mieux en classe maintenant. Enfin, je vais te laisser faire ton shopping. Quelque chose te plairait ? Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Je garde mon argent. Même pas pour le chien, demain. Maintenant, il a eu des croquettes. Il a eu des croquettes avant-hier. Allez, ça devrait tenir pendant 3 jours, au moins il cassera pas les couilles. Saleté de Zemorine, si j'avais su. Vous faites la bonne chose, éditeur. Eh oui. Bon. Zemorine, où est mon bébé ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a du sang par terre? Qu'est-ce bordel par terre? Boup boup! Eh ben t'as l'air d'avoir faim! Bouf! Tiens, voilà! Ok, pas de bouffe aujourd'hui, pas de pâte. Qui veut des câlins? Très bien. Qu'est-ce qu'il a capturé lui? Ah, attendez, laissez-moi mettre la voix, j'arrive. Voilà. Seigneur et maître Robert de la très sainte Ficinaire le troisième, pendant que vous étiez parti, j'ai chassé ce corbeau pour vous. Eh bien, tu as dépassé toutes mes attentes. Je ne vis que pour servir.
Les ressources online ont révélé qu'il y avait un nombre non insignifiant d'images montrant des chatons amenant des proies à leurs propriétaires en offrande. En regardant les commentaires, la réaction globale va de « en » à « mignon ». Ton assumption est correcte, je suis fier de toi. Votre Excellence. J'étudierai ces sujets plus en avant, en commençant par votre historique de recherche Non, je te l'interdis. Confirmé, interdiction de fouiller l'historique de recherche Internet. Il veut des batteries. Pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui, pardon. Très bien. Il a tué un corbeau quand même, hein. Ça c'est un bon drone. Aujourd'hui je me sens éclatant. J'ai récemment acheté un miroir. J'arrive jamais à résister à l'envie de me parler quand je me regarde dedans. Peut-être que c'est le vrai moi de l'autre côté et qui ne peut pas résister. La nuit dernière, une femme est venue auprès de moi et a essayé de modifier mes gènes avec des pilules. C'était terrifiant. Et ça, c'est la fin de Franklin parle avec Franck. Ok. Des bisous, Novistan. Ok. Donc, il se passe rien. Bon. Eh ben, pas mal. En même temps, le scénario s'accélère. Hein. Je sais pas vous, mais dans le prochain épisode, on aura les révélations sur tous les papiers. Et surtout, quel choix on fait. Est-ce qu'on révèle? On trahit Wolf au dernier moment, alors que Wolf était là. Le Novistan doit être regardé par tout le monde. C'est essentiel. Et là, paf! La trahison. Toi aussi, mon fils Brutus. Oh là là là. Et ce serait divin. Ce serait divin. Mais est-ce que ce serait de droite? Et surtout, est-ce que je vais me faire virer? Tiens, c'est ça le problème, en fait.